Travail en collectif, je suis associée avec Mathieu, mon mari, et puis on aime bien aussi partager avec nos voisins agriculteurs, donc on se regroupe assez souvent, donc l'entraide chez nous c'est très important. Monotraite pour se dégager du temps et puis pouvoir profiter voilà, des vacances, du week-end, simplifier notre emplacement aussi et puis surtout moins solliciter nos vaches et les faire vieillir le plus possible sur nos fermes. Vacances d'hiver, la neige, on adore ça et pour nous c'est plus facile de partir et de se libérer puisqu'on ferme la salle de traite 2 mois l'hiver. Du coup pour se faire remplacer c'est beaucoup plus simple, ça demande moins d'astreinte et puis c'est toujours sympa un petit tour à la montagne, voilà, de voir du blanc un peu. Ça va être des moments comme celui-là où je suis près de mes vaches, où je vais pouvoir les observer, elles vont venir vers nous. Ça, pour nous, c'est essentiel de passer ces temps-là avec elles. Donc, on habite à la ferme. On a fait le choix de faire construire près de la ferme. On n'a pas vu sur les bâtiments, mais on n'est pas loin. Et les enfants peuvent nous rejoindre à pied. C'est l'idéal pour nous. Pâturage, pâturage tous les jours. L'objectif, c'est que nos vaches soient le plus souvent dehors, à profiter voilà, de l'herbe, du beau temps quand c'est possible. Oh, sieste. Autonomie totale. En collectif, on aime bien ça. Mathieu est paysan formateur et dès qu'on peut participer à ce genre de formation, on y va. Traite en musique. Il y a la radio en salle de traite, donc les vaches aiment bien de temps en temps un peu de musique ou de discours.